Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour la suite du Let's Play sur, j'allais dire SimCity, sur Cities Skylines. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, les vacances, des problèmes de matos, comme d'habitude, j'arrive à dompter gentiment la bête, mais c'est pas encore gagné. Bon, en gros, j'avais fait à peu près l'équivalent, je pense, de 3 épisodes, mais qui étaient tous pourris, chacun pour une raison différente. Donc j'ai préféré ne pas les mettre. Alors ce qui fait que du coup, bah, j'ai avancé, malgré tout. Et vous voyez là que la ville a pris de l'ampleur. Je mets vite un peu en pause parce qu'il y a des icônes qui popent un peu partout. Ça doit faire bien 2 semaines que j'ai pas repris cette sauvegarde. Alors vous voyez qu'on est, on a du fric, hein, 116 000. On a plus 8 000 et puis une bonne population qui croit bien. Mais là maintenant, il y a l'évacuation des eaux usées, la fameuse pompe à caca qui commence à fatiguer légèrement. Ouais. Et puis ça, c'est dû en fait, en regardant vite avant de commencer l'enregistrement, voilà, il manque de l'électricité. Je voulais faire un barrage. Ça nous fait pas beaucoup, ça coûte assez cher. Donc j'ai remarqué que, bah évidemment, plus on prend une portion large d'un cours d'eau, plus on a d'énergie qui peut être produite. Mais ça coûte affreusement cher, en tout cas pour les moyens que j'ai actuellement. Je pourrais faire un petit peu de... des turbines. Ça me fait combien, ça? C'est entre 0 et 20 mégawatts. Ça peut être assez intéressant, mais là, il manque franchement de l'électricité. Donc, je crois que j'ai pas beaucoup de choix que de faire une autre station. Comment ça s'appelle, ça? Voilà, Oil Power Plant. Donc, on va mettre dans cette zone industrielle. On va allonger un petit peu par là. Voilà, ici ça devrait me laisser la place pour que je puisse mettre ici cette station. Et ça, normalement, ça devrait me permettre de pomper tout ce qu'il faut. On va vérifier ça. On va remettre en route. Alors, au niveau de l'électricité, c'est bon, je suis dans le vert maintenant. Est-ce que tout simplement, est-ce qu'il ne manquerait pas? Eh ben, ça s'affole. Voilà, c'est bon. C'est repassé dans le vert parce que j'avais de bonnes capacités de traitement encore. Il manque plus que ça disparaisse. Voilà, c'est tout bon. Tout le monde il est content. C'est génial. Bon, quelle direction on va donner à tout ça? On va déjà essayer de suivre les besoins qui sont spécifiés ici. Ben, on va densifier. Ça, c'était ce qui était prévu à la base. Là, il n'a pas rempli ici. Comment ça se fait? Je sais pas. Ah oui, c'est en train de construire déjà. Alors, un problème qu'il va falloir suivre. On va déjà avoir tous les indicateurs. Je crois que dès qu'on reprend ce type de jeu. Ouais. Là, je peux pas incinérer beaucoup. Je pourrais aussi améliorer ma capacité de traitement de déchets en mettant une nouvelle. Ça pollue, hein. Ça pollue pas mal. Ça coûte cher. Ouais. Mais bon. On ne peut pas vivre dans la merde non plus, hein. Bah, on va la mettre là à côté. Ah oui, ils sont pas contents. Bah ouais. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se prenne ça, hein. C'est opérationnel ou pas? Ouais, il y a des petits... Ah oui, une chose. J'oubliais. Dans le budget, si j'ajoute un peu plus, ouais, on en avait déjà discuté un peu. Je vais en mettre à 110. D'ailleurs, il faudrait que je regarde ça un tout petit peu mieux quand même, hein. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça d'ailleurs, ouais, c'est un peu amélioré. C'est pas encore génial, hein. Moi, j'ai déjà bien amputé mon budget. On va se calmer un petit peu de ce côté-là. Ce que je pourrais faire pour améliorer, c'est rajouter encore ici une déchetterie. Voilà, je suis plus qu'à 60%. C'est un tout petit peu mieux. Alors, un autre endroit qui me pose problème, c'est les incendies. Parce que je vais avoir assez d'argent. Alors, pour un grand poste, oh, il faudrait que j'économise pour en faire un grand que je vais mettre par ici, là.
D'ailleurs, au niveau de mes emprunts, ah, il y en a toujours un que j'ai pas remboursé là. Il reste 45 000 à payer. Je pourrais le payer maintenant pour faire un autre emprunt de 20 000. Ah, c'est un peu con. Je vais le laisser se rembourser gentiment. Le trafic, ouais. Ah ouais, alors là, c'est pas bien du tout ici. C'est bien bouchonné même. Je pourrais. Si. Question, hein. Question. Si je vais jusque-là, est-ce que ça va aider en quoi que ce soit? Et puis si. Est-ce que je peux upgrade. Ouais, non, on va pas mettre une autoroute là-dedans. Quoique. Quoique. Non, il n'y a même pas moyen. Ça, c'est pas une autoroute en plus. Si, je peux. Ça coûte combien? Ça coûte cher, non? Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, du coup, je peux plus construire là. Ah, ça va plus vite, c'est clair, hein. Ils font un tour comme ça. Bizarre. Bon, ça donne quoi au niveau du trafic? Ouais, bah ça a amélioré, mine de rien. Tiens. Et puis ça. Si je les mets en sens unique, comme ça, comme ça, comme ça. Franchement, les mecs, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que j'y vais quand même assez à la fraîche. Ouais, en fait, on repousse les problèmes un petit peu plus loin. Hein. Si on va mettre du sens unique là pour rentrer dans la ville. Ok. Ah, la bretelle d'accès, elle est complètement congestionnée. Bon, en gros, c'est pas trop trop la merde, mais ce qui va nous faire réfléchir après à notre réseau de transport en commun. Je sais même plus parce que j'ai deux autres sauvegardes, ce que j'ai fait ou pas. Ouais, j'ai rien fait du tout ici, absolument rien. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on améliore les indicateurs de base, le bonheur, la santé. On n'est pas trop trop mal. Les déchets, ça pourrait être mieux. L'éducation aussi. Bon, allez, hop, on va plus vite. Prochain objectif. Au passage, 20 000. Il y a toujours pas mal de monde qui arrive, hein. Et puis j'ai un besoin industriel qui commence à se faire méchamment sentir. Allez, moins vite au niveau industriel. Alors ma pollution, elle se présente, elle est. On va essayer de concentrer un peu tout ça. Je pourrais faire une zone industrielle tout dans ce coin ici. Des routes par là. Ok. Ouais, allez, ça m'inspire. Alors là, je suis avec l'outil amélioration. On va tirer une route. Là, je peux pas. Là non plus. Bon. On fera des plus petites routes comme ça. Ça fera de la place pour du bureau aussi, pour faire une zone de transition ou des zones commerciales. Il y en a besoin un peu. On va faire de la zone commerciale dense ici, comme ça. Un peu là, un petit peu plus même. Et puis de l'industrie, on va faire là. Jusque là. Allez, soyons fous. Ok. Il faut alimenter tout ce bordel.
Bon, il n'y a plus qu'à que ça pousse. Ah, il manque d'eau ici, les amis. Ouais, excusez-moi. Ouais, c'est artistique, on va dire. Ok. Là, on est bien, là, on est bien. Alors, on va accélérer. Ouais, ok, le besoin en commerce et en industrie diminue pendant que ça se construit. Il y aura bientôt besoin d'habitants en plus. C'est bien. Au niveau du budget, ça monte. Habitants aussi. Alors, on va rajouter comme ça. Tout en vérifiant que oui, c'est bien couvert. Il va falloir que je fasse quelque chose pour les incendies. Ah ouais. Alors, hop, on freine. Nouveau bâtiment. C'est quoi ça? C'est le crématorium. Eh ben. N'empêche, ça risque d'être important, ça. On va le mettre par là. Ça coûte 25 000. Moi qui voulais rembourser et puis mettre les pompiers, bah, va falloir attendre un peu. Alors, crématorium, crématorium. C'est dans... Oui, dans santé. C'est bon. Capacité parfaite. Ok. Et rentrée d'argent, c'est bon. Alors, il y a tellement de petites choses à penser. Alors, Las Bamberas. Ils vont couvrir ici, voilà. Comme ça, tout le monde sera content. Ça va me coûter la peau du cul. C'est parti. Voilà. Est-ce que ça va me donner une rentrée d'habitants en plus ou pas? Ah, on dirait, hein. J'étais vers 280, ça dépasse les 300. Alors, je sais pas si c'est important, mais quand j'y pense, je le fais. Quand les bâtiments ont complètement brûlé, bah, il faut les détruire pour que ça puisse repousser. Enfin, se reconstruire. Et même suivant où c'est, ça met du bonheur. Enfin, en tout cas, ça l'améliore. Je crois pas qu'il y a d'autres trucs qui ont cramé dans le coin. Ouais. Ça aussi, il me dit, ouais, j'ai des carrefours qui sont trop proches les uns des autres. C'est vrai, là, il y a bam, bam, il y en a partout. Il faudrait carrément que je détruise. Je sais pas. On va faire comme d'habitude, on va repousser ça plus tard. Ça, par exemple. Question, si c'est quoi cette icône? Pas assez de fuel. Ça, c'est un peu con parce que si lui il a pas assez de fuel, ben, il ne produit pas assez d'électricité. Et d'ailleurs, je suis en déficit. Et puis comment est-ce qu'on peut lui. Alors, le panneau du budget. J'en mets un petit peu plus dedans, mais très sincèrement, je sais pas comment. J'avais pas eu ce problème encore. Ce qu'il me dit. Alors, je dois soit produire du fuel localement, soit améliorer mes connexions. D'accord, c'est facile à dire ça, mais. Est-ce que c'est bien connecté? Bah. Ouais. J'ai envie de dire que là, c'est connecté. Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce qu'il faudrait que je fasse une sortie d'autoroute? Par exemple. Bon, on va essayer, on va voir ça ensemble. Je crois que je ne vous ai pas encore montré ça. Donc les sorties d'autoroute, ça marche comme ça. Alors, en faisant page up, normalement j'augmente la hauteur du truc. Histoire de d'essayer de passer par-dessus. Merde. Là, je maîtrise pas vraiment le truc. Faut que je tourne plus doucement, peut-être. Ouais, c'est pas super beau, à mon habitude.
là. Est-ce qu'il y a peut-être des camions d'essence qui viennent de l'autre sens, ils aimeraient faire comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est un problème qui est assez diffus, j'ai envie de dire, parce que je voyais que ça popait à gauche et à droite là. Ouais, c'est emmerdant ça, j'ai pas fait attention et ça me pourrit mon électricité. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Faudrait que j'importe plus, mais j'en ai aucune idée de comment le faire. Ah. J'ai peut-être mis trop de. Ouais, et puis là, il y a toute cette partie-là qui commence à plus avoir assez de. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce que je peux essayer de faire en appoint, c'est d'aller planter des turbines ici. Elles sont à 20 MW, c'est une bonne zone. Ça me coûte 12 000 à chaque fois. Je peux en mettre, allez, hop, une et deux. Je tire une ligne électrique, puis ça devrait. Le temps que de trouver une solution. Moi, je pourrais reconstruire aussi. Voilà, là je suis juste au-dessus. Je pourrais reconstruire une autre usine, mais j'ai pas envie. Voilà, ah bah tiens, une centrale solaire. Ça pourrait être la solution. Même si on va dire que j'aimerais savoir comment pouvoir régler ce problème-là. J'irai faire un tour sur le web. Hein. À moins qu'une bonne âme m'explique rapidement. Passage, on va. J'ai pas vraiment besoin d'industrie remarquée, mais bon. Allez, la nature ayant horreur du vide. Bon, ça a l'air de tourner. Alors, les pompiers, on en était bon. Ça va. Éducation, ouais. Élémentaire, université, on est bon. École. Secondaire, ça peut être mieux, mais alors on va mettre deux trois petites écoles pour les Morbac. C'est bien ça, oui, Elementary School, très bien. Je peux pas mettre à la place, va falloir que bon, on va la mettre là. Ok. Et une deuxième ici. Je comprends. Ah ouais, la capacité, elle augmente. Là, j'ai juste ce qu'il faut, donc un petit peu ric-rac, comme on dit chez moi. Ouais. On va faire. Comme ça, rien à foutre. Là, on devrait être pas trop trop mal. Enfin, pas trop mal, ouais. On est un petit peu juste. On va peut-être mettre une école secondaire encore, là. Oh, ça manque beaucoup par ici même. Ok, ça couvre à peu près la zone. Ouais, là, ça suffit. On va pas en mettre trop non plus. Surtout que, ouais, j'ai bien entamé mon fric encore une fois. Ah, ça veut pas construire là parce que j'ai pas zoné. Ah oui, il faut que je pense à mettre des petits parcs. On va densifier. Parallèle. Et puis on va mettre un ou deux parcs pour améliorer tout ça. Ouh, ça c'est tout neuf, je connais pas. Japanese Garden. Bon. Est-ce qu'on peut en mettre? Bon, là, les gens sont déjà assez contents, en fait. 15 000. Bon, là, je vais détruire des bâtiments, mais on va encore densifier là. Récupérer d'eux un petit peu plus tard. Ok, 20 000 plus 11 000 par mois, ça file bien ça. Ça file pas mal. Bon, bah écoutez, je vais faire des épisodes un petit peu plus courts de 20 minutes. Ça me paraît être un format un petit peu plus agréable. Peut-être que j'avancerai la partie entre-temps jusqu'à des points un peu plus intéressants.
Là, le but maintenant, ça va être d'optimiser un petit peu tous les indicateurs. Je vais m'attaquer ensuite au trafic et puis je vais essayer de comprendre cette histoire de fuel. C'est pas très très important, mais ça m'énerve un peu. Et puis ensuite, on pourra s'étendre. D'ailleurs, on va peut-être voir si je peux le faire juste maintenant, pas encore. Pour acheter la case qui se trouve ici pour exploiter, bah justement, il y a du pétrole là, donc ça pourrait être la solution. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi. Je ne sais pas où vous en êtes, et à très bientôt, c'était DR436 sur City Skyline.